Salut à tous et à toutes les auditrices et auditeurs d'Asa France. On est super contents de vous retrouver aujourd'hui pour cette poursuite femme des championnats du monde de Nové Mesto en République tchèque. Je suis ravie d'être avec toi, Eva. Salut, comment ça va? Ça va. Bah, ça peut que aller hein, avec le sprint d'anthologie que nous ont fourni nos filles, hein, avec un top 4, tout simplement, un grand chelem, comme citait l'équipe, avec Julia Simon qui partira en première position sur cette poursuite, suivie de Justine Brezaz-Boucher en deuxième position, Lou Jean Monod en troisième position, Sophie Chauveau en quatrième position. On est gâtés, Mila. Ah ouais, on est vraiment ravis. Et puis avant de faire un petit tour encore d'horizon des autres favorites, hormis les Françaises, on va vous rappeler brièvement ce format, parce qu'on le rappelle, hein, la poursuite est conditionnée par les résultats du sprint. Donc on prend les écarts du classement du sprint donc avec notre fabuleux quatuor français, et donc c'est dans ces conditions-là que les quatre Françaises s'élanceront dans les quatre premières positions de cette poursuite. Effectivement, hein, un format qui est... Les filles vont parcourir 10 km entrecoupées de 4 tirs, contrairement au sprint où il n'y a que 2 tirs. C'est une course en confrontation directe, Mila, la première de ces championnats du monde. Et puis, comme tu le disais, hein, conditionnée par le sprint. Donc la première qui va s'élancer avec 5 secondes d'avance sur Justine Brezaz-Boucher, eh bien, c'est Julia Simon qu'on voit à l'écran là avec son dossard rouge de leader du classement de la spécialité et son dossard un peu doré. Elle a deux dossards aujourd'hui avec elle, est tenante du titre. On s'en souvient, elle avait remporté la poursuite à Oberhof l'année dernière sur ces championnats du monde. En troisième position à 41 secondes. Hein, donc les deux Françaises ont un petit boulevard d'avance, on va dire. Lou Jean Monod partira donc à 41 secondes de Julia Simon. Elle sera suivie de très près par Sophie Chauveau à 44 secondes. Et bien ensuite, au niveau des favorites, il faut presque remonter à Franziska Preuß, sixième position. Elle partira à 1 minute 05. Et Mila, d'autres favorites, notamment les Italiennes et les Suédoises qui seront à suivre. Oui, effectivement, on va avoir un beau groupe là entre la 6e et la 9e place, entre Franziska Preuß et Elvira Heuberg, la cadette des sœurs Heuberg, qui toutes les deux ont terminé à la 8e et 9e position respectivement. Un petit groupe qui va sûrement se former avec Lisa Vitozzi un peu enfermée dans ce groupe. Et on l'a vu, la glisse est vraiment pas bonne pour les Italiennes, malgré un 10 sur 10 pour les deux leaders de cette équipe italienne, Dorothea Wierer et Lisa Vitozzi. Bah, ça l'a pas fait sur les skis, de même pour leur collègue masculin hier d'ailleurs, on l'a vu. Donc à voir si c'est qu'une question de glisse, mais s'il y a aussi peut-être une forme qui est peut-être moins bonne pour les deux compatriotes italiennes, Eva. Et oui, effectivement, hein, ce sera à suivre. C'est là, on voit Anna Heuberg à l'écran, dossard 8. Anna Heuberg qui elle est en recherche un petit peu de résultats, hein, depuis notamment cette début d'année 2024. On sait qu'elle a été un petit peu malade pendant les fêtes, donc elle sera aussi à suivre, hein, parce qu'on rappelle, elle avait quand même remporté 2 médailles d'or l'année dernière à Oberhof. Donc ça va bientôt partir. On est à Nové Mesto dans ce chaudron, 30 000 personnes pour suivre cette poursuite féminine. Ça y est, c'est parti, Mila, pour la poursuite, et c'est Julia Simon qui s'élance. Ouais, elle vient de partir là à l'instant, on l'a vu, un stade vraiment plein à craquer, les Tchèques sont en nombre. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'Allemands, hein, qui ont l'habitude de se déplacer sur ces sites là en hiver, et alors que Justine Brezaz-Boucher s'est également élancée là, elle est à la poursuite littéralement de Julia Simon, sa compatriote française, et puis là on attend avec impatience Lou Jean Monod qui va s'élancer d'ici une petite dizaine de secondes. Ça va partir fort, on va voir comment les Françaises vont gérer ce début de course, est-ce qu'elles vont réussir à vraiment creuser cet écart, sachant qu'on l'a dit, la première grande favorite après les Françaises, c'est Franziska Preuß. Elle ne partira qu'à 1 minute 5 de Julia, oui. Ce qui laisse une petite marge dès le début de cette course. Ouais, effectivement, hein, on espère potentiellement avec, on sait que Justine Brezaz-Boucher est très forte sur les skis par rapport à Julia Simon, elle avait le premier temps de ski, donc on peut espérer que Julia et Justine skient ensemble, s'entraident, et puis on peut espérer aussi que Lou Jean Monod qui vient de s'élancer avec Sophie Chauveau, et bien skient ensemble. À ne pas oublier aussi Benedika, la Lettonne, hein, qui a réalisé le meilleur résultat en carrière pour la Lettonie sur ces championnats du monde. Cinquième position, ça a été la surprise. Alors que Franziska Preuß s'élance à l'instant aux côtés de Lisa Vitozzi, Anna Heuberg, tu le disais, il y a un gros groupe là qui va s'élancer. Elles vont pouvoir aussi s'entraider, les grandes favorites autres que les Françaises. Ouais, et puis elles sont menées par Franziska Preuß, hein, quand même figure de cette équipe allemande, légende du biathlon, qui avait fait un relais mix plutôt bof. Hein, elle avait plutôt déçu sur les tirs et elle s'était vraiment rassurée, l'allemande Franziska Preuß.
concentrer sur ce sprint, alors que là on voit encore un groupe de biathlètes qui s'élancent, avec notamment Dorothea Wierer qui, à l'instar de Lisa Vitozzi, avait réussi le plein lors du sprint. Donc voilà, une belle course. On peut noter également l'absence, hein, un petit peu, là on la voit justement à l'image, Ingrid Tendrevol qui ne part qu'en 25e position. Alors c'est assez étonnant puisqu'on rappelle, hein, c'est la leader du classement général, même si ce classement est gelé lors de ces championnats du monde. Mais voilà, elle avait réalisé seulement le 7 sur 10, qui n'est pas forcément dans son habitude et qui du coup l'a placée un petit peu derrière toutes les favorites. Ça va avoir du mal à remonter. Alors que là, tout de suite, on voit à l'image Justine Brézé-Boucher qui, comme on se l'attendait, a rattrapé Julia et qui maintenant skie ensemble dans cette première montée. Ouais, les Françaises, elles vont s'entraider normalement dans ce premier tour. Là, on sait que Julia, elle va devoir s'appuyer sur sa vitesse de tir, hein, comme elle l'avait dit. Je pense que c'est tout dans son intérêt de skier avec Justine pour pouvoir creuser l'écart, notamment creuser l'écart sur deux autres Françaises derrière. On voit que Sophie Chauveau a déjà rattrapé Lou Jeanmonod. Elle s'entraide aussi ces Françaises, alors qu'on a oublié, hein, le départ aussi, Jeanne Richard, la cinquième Française, et s'était lancée en dossard 15. Faudra la suivre aussi, Jeanne Richard, hein, parce qu'elle est partie notamment dans les skis de Juni Arneklav, la Norvégienne. Donc on sait qu'elle avait une très bonne glisse aussi, Jeanne Richard, 9e temps de ski du sprint. Donc elles sont toutes à suivre, ces Françaises, sur cette poursuite. Ouais, et puis on voit là tout de suite à l'image, hein, là justement la Lettonne Bendika qui a tout de suite été un petit peu laissée derrière, hein, par les Françaises. On s'y attendait, elle passe là avec 52 secondes 4 de retard sur Julia Simon et Justine Brézé-Boucher, les deux Françaises en tête, alors que là on voit Elvira Huberg et un gros groupe là de 4 biathlètes, comme on l'avait dit, Franziska Preuß, Lisa Vitozzi et les deux sœurs Huberg, Anna et Elvira, qui skient ensemble et qui sont toutes à 1 minute 3 de la tête. On va voir ce que donne ce premier groupe, mais voilà, on sait que si Julia et Justine réussissent un premier tir bien gérées, elles peuvent tout de suite creuser un peu plus l'écart dans ce début de course. Ouais, effectivement, elles reprennent quelques secondes, hein, Franziska Preuß, Lisa Vitozzi, ce petit groupe là qu'on vous disait un peu en embuscade à 1 minute, elles étaient parties à 1.05, elles sont à 1.02, elles reprennent 3 secondes, tout comme Lou Jeanmonod et Sophie Chauveau. Seulement Bendika, la Lettonne, qui a perdu un peu de temps sur les Françaises, qui gèrent dans ce premier tour et qui vont essayer, le plus important ça va être de mettre les balles, hein. Si elles mettent les balles, les Françaises, normalement il n'y a pas de souci, elles vont rester devant. Bien sûr. Et puis on le sait, hein, quand on est dans un groupe de 4 comme ça, avec des très bonnes skieuses comme par exemple les sœurs Huberg ou encore Lisa Vitozzi, forcément on peut s'attendre à ce qu'elles reprennent 2-3 secondes. Tant que ce n'est pas des dizaines de secondes, ça reste très 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 bien géré par les Françaises. Là on les voit toutes les deux à l'image, tandis que Julia Simon était en deux temps, Justine était toujours en un temps là, mais là voilà, elles skient toutes les deux à peu près à la même allure. Elles passent devant cette tribune bien garnie et elles vont arriver en haut de cette côte bientôt sur le premier tir. Là, le pas-tir se rapproche, le premier moment clé de cette course est bientôt arrivé, Eva. Oui, effectivement, on rappelle, hein, elles vont bientôt arriver sur ce tir couché. On rappelle le tir couché, elles vont rentrer sur le pas de tir, elles vont se coucher tout simplement sur le tapis, et elles vont devoir blanchir les 5 cibles, ces cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Elles sont moins larges, hein, beaucoup moins larges que sur le debout. Et donc ça va vraiment être l'objectif de blanchir ces 5 cibles pour nos 4 Françaises, puisque là, à l'écran, on voit Sophie Chauveau et Lou Jeanmonod qui vont arriver dans une petite minute sur ce pas de tir, alors que on voit là Justine Brézé-Boucher et Julia Simon rentrer sur ce pas de tir pour ce premier tir couché, comme tu disais, premier moment fort de cette poursuite. Ouais, donc Julia Simon, voilà, va s'installer au tapis numéro 1, hein, de par son numéro de dossard, et puis Justine sera juste à côté sur sa gauche au tapis numéro 2. On voit un peu de vent là, le fanion nous indique du vent qui souffle à 6 km de la gauche vers la droite. Voilà, à voir si les Françaises vont bien s'adapter à ce tir. Elles se sont entraînées, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est des très bonnes tireuses, elles le montrent. Julia affiche un taux de réussite assez exceptionnel depuis le début de cette saison. Voilà, donc là elles sont en train de s'installer à l'instant. Elles arment leur carabine et elles vont tout de suite tirer leurs 5 premières balles, Eva. Effectivement, Julia Simon qui a tiré la première balle, alors que Justine Brézé-Boucher vient seulement de tirer. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant pour nos deux Françaises. Julia Simon va-t-elle mettre la dernière balle? Oui, c'est un sans faute pour Julia Simon, qui tire un peu plus vite que sa compatriote et qui va pouvoir ressortir. Allez, Justine, mettre cette dernière balle. Elle prend du temps, Justine, à la tirer, et c'est parfait. Un 5 sur 5 pour Justine, qui va pouvoir ressortir pratiquement à 5 secondes à peu près de Julia Simon, mais on sait que sa vitesse à ski va lui permettre de reskier dans le tour.
tour avec sa compatriote. Bien sûr, elle a pris un peu plus de temps que Julia pour tirer, on l'a vu notamment sur cette dernière balle qui a eu du temps à tirer, alors que là les deux autres françaises, Lou Jean Monod et Sophie Chevaux, sont en train de tirer. Lou Jean Monod a raté malheureusement sa première balle, alors que Sophie, elle, est en passe de réaliser le 5 sur 5, et c'est fait, un 5 sur 5 pour Sophie qui va donc pouvoir ressortir dans les temps, hein. Vraiment, elle fait un très bon début de course et Lou Jean Monod, elle s'en sort avec un 4 sur 5. Elle va devoir aller tourner, donc on vous le rappelle, 150 mètres supplémentaires sur la note pénalité, ce qui équivaut à peu près à 25 secondes de perdu. Mais on le sait, Lou tire aussi vite, ski aussi vite, donc elle a toujours cet espoir de revenir. Les autres favorites, c'est Anna Hubert qui vient de réaliser le 5 sur 5, tandis que Bendika est passée totalement à tout côté de son tir, elle fait 3 erreurs. Preuss, c'est bon pour elle, elle fait le 5 sur 5 comme Vitozzi, elle ressort toutes les 3 au même moment, tandis que Elvira, pour le coup, elle va tourner sur l'anneau une fois. Effectivement, alors que Jeanne Richard vient de s'élancer vient de s'installer sur ce pas de tir, et Vireur aussi qui est sur ce pas de tir, pour l'instant elle fait le 3 sur 3 l'italienne. Elles avaient fait réaliser le 10 sur 10, l'italienne. Est-ce qu'elle va réaliser le plein? Eh bien oui, l'italienne va pouvoir ressortir alors que Jeanne Richard vient de commencer ce tir. Pour l'instant, pas d'erreur pour Jeanne Richard. 3 sur 3 pour la française. Allez Jeanne, mettre cette dernière balle. Eh bien oui, c'est fait pour Jeanne Richard qui va pouvoir ressortir et potentiellement essayer de rentrer dans ce top 10, hein, aux portes en tout cas de ce top 10 pour la française, alors que Lou Jean Monod vient de ressortir en 7e position à 1 minute 04 de la tête. Une tête qui est dominée par notre française Julia Simon. Oui, et puis pour Lou Jean Monod, pas d'inquiétude, hein, elle va se retrouver à 5 secondes de Lisa Vitozzi et de Franziska Preuss. Ça devrait le faire pour la jeune française de revenir dans ce groupe. Elle va sûrement skier avec, alors qu'on voit là à l'instant le dossard jaune, ouais, Ingrid Tendrevol qui passe la sortie du pas de tir à 1 minute 47 de la tête. Elle a réalisé le 5 sur 5, la Norvégienne. De toute façon, elle en a besoin de ce tir parfait presque pour pouvoir espérer quelque chose, alors qu'on voit là à l'instant un ralenti des deux leaders, hein, de Julia Simon, suivi de très très près par Justine Brézat-Boucher. On n'a pas encore les images de la piste, mais on imagine que peut-être que Justine a dû rentrer sur Julia, ou en tout cas c'est ce qu'on s'attend à voir vu la forme de Justine sur cette piste, alors qu'on voit les impacts de balles de Julia Simon là, très propre ce tir plutôt au centre, magnifique premier tir couché pour Julia Simon. Ouais, la troisième balle était un petit peu cordon en bas à droite, mais sinon c'était parfait pour Julia, on s'y attendait, hein, Julia Simon qui va pour gagner, qui va devoir s'appuyer sur son tir rapide, alors que Justine, elle, qui tire un petit peu moins en cadence, mais qui, comme là on le voit, rattrape Julia Simon sur ce pas de tir. En tout cas, ça va se jouer vraiment sur le pas de tir pour Julia et Justine, alors que Sophie Chauveau, qui elle était partie à 40 secondes et qui a déjà repris 10 secondes sur Julia Simon et Justine Brézat-Boucher, 10 secondes depuis le début de la course, donc ça skie vite, hein, pour Sophie Chauveau. Ouais, elle était sortie du pas de tir, il me semble, à une 32-33 secondes, quelque chose comme ça, et là elle a bien repris 5 secondes, Sophie Chauveau, alors qu'on voit à l'instant là les intermédiaires de Vitozzi et d'Anna Hubert qui passent ensemble à 55 secondes, qui skie bien, qui sont suivis de près tout de même par Franziska Preuss, alors qu'on voit là le bonnet blanc de Lou Jean Monod de son sponsor Juraflore, très très visible, qui elle n'a pas encore repris de temps pour le coup sur Franziska Preuss. Elle a l'air d'être un peu plus dans le dur que ce qu'on pouvait l'imaginer, la française, elle est toujours à 7 secondes à peu près de l'allemande, alors que là on voit pour le coup Elvira Hubert qui a l'air d'être plutôt en forme sur les skis. Alors elle n'a pas encore doublé ni Vireur ni l'autrichienne Gandler, mais voilà, on sait que Elvira Hubert, elle peut toujours nous faire un tir de fou, et après sur les skis ça peut aller aussi très très vite, alors qu'on voit là aussi passer à cet intermédiaire dans cette côte Ingrid Tendrevold, la Norvégienne qui, on vous le rappelle, a fait le 5 sur 5. Voilà, toutes les favorites sont à peu près là, il n'y a pas eu de gros ratés pour l'instant, elles sont toutes à 9 ou à 10, à 4 ou à 5 pardon, donc voilà, et là on retrouve nos deux françaises en tête de la course. Effectivement, hein, pour l'instant pas de craquage des favorites, même on pouvait s'y attendre aussi, hein, dans ce format de confrontation directe entre guillemets, les deux françaises qui pour l'instant ne sont pas sensationnelles sur la piste, perdre 2-3 secondes par partir c'est pas grand chose, parce qu'elles sont devant, elles gèrent. Le plus important pour les filles, ça va pas être de mettre 2 minutes à tout le monde, ça va vraiment être de gagner cette course, donc le but ça va vraiment être de se concentrer sur ces tirs pour faire un sans faute. Si elles font un sans faute, il n'y aura pas de surprise, elles seront devant. En tout cas, la seule petite confrontation qu'on pourra avoir, c'est qui de Julia Simon ou Justine Brézat-Boucher aura l'or si elles font un sans faute. Oui, et puis il y a Sophie Chauveau, hein, qui est aussi guette, pour l'instant elle est positionnée pour cette
cette médaille de bronze fictive, évidemment, puisqu'on est encore qu'au début de la course, mais à 27 secondes, voilà, elle a un petit peu d'avance sur le Vitozzi, la quatrième de cette course provisoire. Mais voilà, comme tu l'as dit, Eva, hein, ça va être vraiment l'objectif de cette course, ça va être gérer du début à la fin, être calme sur ses tirs, sur les skis, assurés. Elles savent qu'elles skient bien, elles n'ont pas besoin de forcer sur la piste, et justement, ça va être intéressant de voir comment elles vont gérer cet effort, parce qu'elles ont assez d'avance pour ne pas aller trop vite et pas s'épuiser, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'elles se relâchent trop en cas de d'erreur sur le tir qui pourrait tout de suite leur faire perdre un peu d'avance précieuse. Alors que là, nos deux Françaises arrivent toutes les deux sur ce pas de tir pour un deuxième tir couché, on vous le rappelle, hein, le dernier de cette course. Julia Simon est toujours leader provisoire. Justine n'a pas pris le relais pour l'instant. À voir si elles ressortent ensemble. Peut-être que dans le troisième tour, il y aura un relais qui sera pris par Justine. Et donc, on attend avec impatience le résultat de ce deuxième tir. Eh bien oui, les deux filles se sont installées. Hein. Julia Simon sur la cible numéro 1, Justine Brezaz-Boucher sur la cible numéro 2. Julia Simon tire la première banne comme on pouvait s'y attendre. Pour l'instant, pas d'erreur, hein. 3 sur 3 pour Julia Simon. Alors qu'il y aura la quatrième et d'erreur pour Julia Simon. Ça laisse une marge pour Justine si elle ressort avec le sans faute. Justine, eh bien non, il y aura une erreur pour toutes les deux. Ça laisse potentiellement Sophie Chauveau, ouais, qui vient de s'installer sur le pas de tir, pourrait potentiellement ressortir avec nos deux Françaises et pouvoir avoir un triplé à la fin de ce pâtir dans les mêmes temps. Ouais, on a vu Sophie Chevaux arriver sur le pâtir avec environ 27 secondes de retard, c'est ce qui vaut à un tour de pénalité, alors que là elle nous fait un super tir, la Sophie, avec un 4 sur 5 pour l'instant. La dernière balle sera-t-elle dedans? Non, malheureusement elle est vraiment à gauche, c'est dommage, elle avait vraiment une porte qui s'était ouverte là pour ressortir, peut-être pas devant, mais en tout cas dans les temps des deux Françaises, tandis qu'on voit à l'instant Julia Simon qui ressort, suivie de très près par Justine, et Sophie va aller tout de suite à gauche pour tourner sur cette anneau de pénalité. Et là on voit trois autres favorites, hein, qu'il faut suivre: Anna Heuberg, Franziska Preuß et Vitozzi, qui tirent toutes les trois. Anna Heuberg est la première à avoir dégainé, tandis que Lou Jean Monod est aussi préparée sur le pas de tir. Anna Heuberg va-t-elle sortir avec le plein? Oui, c'est chose faite, elle va se positionner en 4e ou 3e position à voir la sortie de Sophie Chevaux, tandis que Vitozzi a fait le plein, tout comme Franziska Preuß, et Lou Jean Monod est en train de tirer sa deuxième balle, Eva. Oui, hein, effectivement, les favorites qui répondent présents, là, Anna Heuberg, Lisa Vitozzi qui va ressortir, et là, à l'instant, Franziska Preuß, l'Allemande. C'est vrai qu'on a ce triplé là qui ressort à 34 secondes désormais. Elles ont bien remonté, hein, les favorites, alors que Lou Jean Monod a réalisé le plein et va pouvoir se replacer aux alentours de la 7e ou 8e place à 55 secondes de la tête. Donc rien n'est joué encore sur ce pas de tir avec cet anneau de pénalité de Justine, Julia et Sophie qui ont ouvert la porte, mais en tout cas elles sont toujours en tête, nos Françaises. Ouais, et puis à noter là, le magnifique 10 sur 10 réalisé à l'instant par Ingrid Tandevrel, qui va encore reprendre des précieuses secondes. Alors elle est toujours au-dessus de la minute, hein, la Norvégienne, elle est toujours pas un danger imminent pour les Françaises, elle a quand même pas mal de retard, mais voilà, c'est une bonne course pour l'instant pour elle qui peut se rassurer. Elle va ressortir vraiment seule, là elle va devoir skier sans adversaire, à voir comment elle va gérer, tandis que Elvira Heuberg a également fait le 5 sur 5. On sent que mentalement ça tient pour l'instant, il n'y a aucune favorite qui pour l'instant ne craque. Comme tu l'as dit, Eva, c'est pas forcément surprenant sur ce format là mais voilà, on va surveiller aussi le ski de Lisa Vitozzi, parce qu'on le rappelle, hein, elle est à 10 sur 10 également, elle skie avec Anna Heuberg dans ce troisième tour, à voir si la Suédoise tente ou pas une petite échappée, ou si elle reste dans les skis de l'Italienne. Oui, et puis là on disait qu'il y avait potentiellement une incertitude sur la glisse de Lisa Vitozzi, ou en tout cas des Italiennes. Pour l'instant, Lisa Vitozzi, elle tient. Hein. Elle est à 34 secondes avec un 10 sur 10. En tout cas, elle perd pas beaucoup de temps. On la voit même potentiellement, là, elle est tout près de Sophie Chauveau, hein, l'Italienne, tout près de nous shipper ce triplé fictif, entre guillemets, comme tu le disais. Donc, à voir. Hein. On espère que ça va tenir. Mais en tout cas, Sophie Chauveau, elle a fait un gros deuxième tour. Hein. Tu le disais, ouais, elle avait repris beaucoup de temps sur Justine Brezaz-Boucher et Julia Simon. On sait les qualités de nos deux Françaises, donc à voir si elle n'est pas partie un peu trop vite, la Française, alors que là, Lisa Vitozzi et Anna Heuberg, bon, le plan un peu écrase, hein, pour l'instant, ils ne sont pas dans les skis, mais Lisa Vitozzi et Anna Heuberg skient ensemble, donc peuvent s'entraider, alors que Sophie Chauveau est, elle, toute seule. C'est ça, hein, le problème, c'est qu'elle est isolée, la Française, donc ça va être plus compliqué pour elle, peut-être, d'avoir un objectif lointain, parce qu'elle est trop loin des deux premières Françaises pour avoir cet objectif direct d'aller chercher les dossards bleus de Julia Simon et Justine Brezaz-Boucher. Mais il y a l'Italienne derrière avec la combinaison bleue qui guette forcément la Française Sophie Chauveau, tandis que là, c'est Lou Jean Monod qui passe à l'instant à l'écran dans cet intermédiaire du 4,8 km. Elle est à 1 minute 2 de la tête, à 49 secondes, 5
5 de Franziska Preuß, qui est donc 6e. Voilà, ça va être son objectif à court terme, mais aussi à long terme. Pour l'instant, Lou Jeanmonod est à une erreur seulement. On espère que ça ne sera plus le cas et qu'elle va rester à ce score-là pour tenter de remonter encore sur ce classement fictif. Et puis Lou Jeanmonod, elle perd un petit peu de temps là sur la piste. Elle était ressortie à 56 secondes de ce pas de tir. Elle est désormais à 1 minute 02. Ça, en tout cas, on va voir ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'elle est, elle est isolée là. Hein. Franziska Preuß devant, elle est à 12 secondes. Ça fait beaucoup pour un tour. Et derrière, seulement Grandeur en 8e position. Donc Lou Jeanmonod, bah, là, elle va devoir s'appuyer sur des très bons tirs, comme tu disais. Alors qu'on voit Jeanne Richard à l'instant passer. Elle passe la Française en 12e position. Jeanne Richard, c'est une bonne course hein, pour la Française qui, on le rappelle, vit ses premières courses sur les championnats du monde senior. Oui, et puis elle skie avec Davidova, la locale, la tchèque. Peut-être que le public, en applaudissant Davidova, va donner de la force à Jeanne Richard, on ne sait pas, ça peut-être jouer en sa faveur. A noter aussi Tendreval qui remonte à la 10e place. Attention, elle arrive doucement. Elle skie avec Elvira Berg, une très bonne skieuse. Elles sont toutes les deux très bonnes skieuses. Donc attention à elle. Tandis que là, on voit encore Justine qui a pris le relais, comme on l'avait dit, peut-être à la suite de ce deuxième tour, qui a pris le relais de Julia, qui est donc juste devant Julia Simon et qui vont bientôt débouler dans ce stade rempli pour faire leur troisième tir, le premier tir debout. Et Sophie, voilà, qui est toujours troisième à 31 secondes, mais comme on l'a dit, Vitozzi et Anna Huberg sont juste derrière, à peine 6 secondes d'écart de la Française. Elles ont l'air de skier vraiment fort toutes les deux, là on les voit à l'écran, elles ont l'air d'être solides au niveau de leur manière de skier. On rappelle, hein, quand on skie en un temps, ça veut vraiment dire qu'on a de la puissance et qu'on est capable de se donner de l'élan, surtout sur des montées, alors que quand on est en deux temps, ça veut sûrement dire qu'on est un peu plus fatigué et qu'on essaye un peu de mettre ses jambes au repos. Donc voilà, on attend ce troisième tir avec impatience. Tandis que Franziska Preuß, elle, c'est un petit peu plus dur pour elle. Hein. Elle a perdu 10 secondes déjà dans ce tour pour l'Allemande qui a l'air en difficulté. C'est vrai que là, Justine et Julia, là, elles ont mis un peu les bouchées doubles. Hein. Elles ont repris au moins 4 secondes sur toutes leurs adversaires. C'est sûrement que ça va leur permettre potentiellement d'avoir encore une balle de marge pour nos deux Françaises qui s'installent là à l'instant sur ce tir debout. On rappelle le tir debout. Eh bien, des cibles, 5 cibles toujours à blanchir, mais 11 cm de diamètre à blanchir, alors que Justine Brezaz-Boucher s'installe sur la cible numéro 1 et Julia Simon à la cible numéro 2. Les Françaises s'installent. Julia Simon semble déjà avoir tiré sa première balle. Oh, même oula, Julia Simon vite. Tire sensationnel. On sait qu'elle avait fait 17 secondes. Et là, Julia Simon, 5 sur 5 en moins de 17 secondes. Magnifique. C'est impressionnant. Alors que Justine, elle, a déjà fait une erreur. Deux erreurs même. Julia Simon, elle a réussi à mettre la pression sur sa coéquipière. En plus, Justine, là, elle se reprend sur sa dernière elle balle. Tremble, c'est dur pour la Française. Va-t-elle mettre cette dernière balle? Oui, il n'y aura que 2 tours de pénalité. Même elle souffre comme toi, Mila. On a eu peur pour les 3 tours, 2 tours. C'était... Ça peut peut-être encore faire médaille pour C'était Justine. Chaud là, la simulation n'a même pas eu le temps de montrer les cibles que Julia avait déjà commencé à tirer ses 2 voire 3 premières balles. Tandis que là, c'est Sophie Chevaux là qui est en passe de réaliser le 3 sur 5, va-t-elle. Ah, malheureusement, la 4ème est ratée. Ça sera un tour de pénalité pour Sophie Chevaux qui repart à l'instant et qui laisse derrière elle Anna Huberg qui a déjà une erreur. Tandis que Lisa Vitozzi, elle, va-t-elle faire le 5 sur 5 ? Oui, c'est bon pour l'Italienne, elle va ressortir sûrement troisième de ce pas de tir, à voir la sortie de Justine qui a perdu un peu de temps avec ses deux erreurs, mais c'est vrai que là, Julien nous a fait un tir sensationnel. Elle a sûrement mis la pression sur Justine parce qu'on le sait, en confrontation directe comme ça, quand on est que deux sur le pas de tir, on a les impacts de balles aussi qui peuvent nous déconcentrer. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé avec Julia qui a bien accru son avance. Avec 46 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi, tandis que là c'est les deux Françaises, Justine et Sophie, qui ressortent avec à 1 minute d'écart tout simplement de la tête donc de Julia qui pour le coup là réalise une Julia magique. Elle a un boulevard là pour essayer de réaliser le premier doublé de sa carrière sur ces mondiaux. Julia, elle est 46 secondes sur Vitozzi. Allez, pour Justine et Sophie, l'objectif, ça va être d'essayer de rattraper Vitozzi. On sait que Justine, elle a été sensationnelle. Peut-être que ces 14 secondes, elle a la capacité de les reprendre, alors que Tendrevold, elle avait fait 3 erreurs sur son tir debout. Eh bien, c'est toujours difficile. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, la Norvégienne, sur ses tirs debout depuis le début de ses championnats du monde? En tout cas, elle ne trouve pas la solution, alors que Markéta Davidova à domicile va réaliser le 4 sur 5. Elle a raté sa deuxième balle et Jeanne Richard aussi va emboîter le pas sur cet anneau de pénalité, puisqu'il y aura une erreur supplémentaire pour Jeanne Richard qui réalise quand même une belle course pour notre Française. Et Lou Jeanmonod vient de ressortir. Bon, il y a déjà une 20aine de secondes en 8e position pour Lou Jeanmonod.
Donc là, ouais. C'est vrai que Thunderbolt, là, elle a fait. Ouais, on la voit qui continue. Ouais. On la voit qui continue de tourner. On se demande quand est-ce qu'elle va sortir de sa note pénalité tellement elle en fait. Mais voilà, ouais, c'est étonnant encore de l'avoir craqué. Et puis c'est 3 balles de suite. Hein. Je sais pas si tu as vu Eva, mais elle a réussi ses 2 premières et puis derrière, elle s'est totalement écroulée. La Norvégienne, c'est assez. Inédit de l'avoir comme ça, de l'avoir raté à ce point. Mais voilà, Lou Germano qui est toujours 8ème fictif, hein, qui va skier avec Gandler l'Autrichienne, tandis qu'on a les sœurs Robert qui se sont regroupées suite à l'erreur d'Anna, c'est Elvira qui a pu reprendre un peu de temps sur sa sœur, et elles sont toutes les deux accompagnées de l'Allemande Franziska Preuß, tandis que là on voit Julia totalement seule au monde sur cette piste. Il y a pas mal de brouillard là, en tout cas on a du mal à l'apercevoir là au bout de cette piste. Et puis c'est Lisa Vitozzi du coup qui fait la bonne opération et qui avec son 15 sur 15 se place deuxième à 48 secondes. Alors voilà, on le sait, Julia va arriver sur son quatrième et dernier tir avec de la marge. Elle aura une, voire peut-être 2 balles si vraiment elle va vite sur l'Italienne. Évidemment qu'on préférerait qu'elle n'en fasse aucune et qu'elle finisse et qu'elle condamne l'issue de cette course. On surveillera ça, tandis que Justine, elle, est toujours troisième, accompagnée de Sophie qui est quatrième. Il y aura peut-être une Française des deux qui sera déçue à la fin sur ce podium. On verra, peut-être que Sophie va de nouveau se retrouver en bas du podium. On va voir l'issue de cette course, tandis que là c'est l'Allemande Franziska Preuß qui mène le groupe composé des sœurs Auberg qui vont passer là tout de suite à l'intermédiaire, toutes les trois. C'est toujours difficile pour l'Allemande qui vient de reperdre 10 ouais. secondes là pour cette Allemande avec qui est assez trousse. Hein. Il y a les deux sœurs Auberg, on connaît leur qualité sur les skis tout simplement. Et Lou Germano qui n'est pas loin hein, de ce petit groupe. Lou Germano qui va passer à 1:49. Elle aussi, elle perd du temps, Lou Germano, sur Julia Simon qui semble vraiment avoir mis les gaz là. Elle reste dans les temps de l'Italienne Lisa Vitozzi. On a vu que Justine, quand même, par rapport à Sophie, il y avait une petite seconde d'écart. On voit que Justine, elle a envie d'essayer de reprendre du temps pour pouvoir potentiellement aller chercher cette deuxième place et potentiellement Lisa Vitozzi si l'Italienne fait quelques erreurs. Bah on le sait, Justine a une vitesse à ski qui est presque inégalable. Sur le relais mix, on peut le noter, même malgré une erreur qui lui a valu un tour sur la même pénalité, elle a réussi à donner le relais, il me semble, en tête ou alors en deuxième position. Enfin, elle a rattrapé toutes ses secondes perdues sur la piste, donc ça montre bien à quel point elle est solide et que malgré un 19 ou même un 18 sur 20, elle est capable d'accrocher les 3 premières places. Peut-être que pour la victoire aujourd'hui, ça ne le fera pas, et c'est tant mieux pour Julia qui, pour le coup, elle, le mérite avec, pour l'instant, son 15 sur 15. Mais voilà, il faut se méfier d'elle, tandis que là, c'est Vitozzi qui passe à 49 secondes. Voilà, Justine est à 9 secondes de l'Italienne. Ça va être chaud ce dernier tir parce qu'il suffit qu'il y en ait une des deux qui rate pour que ça laisse en gros la possibilité à l'autre de lui passer devant. Et là, on voit que Justine, pour le coup, a laissé un peu derrière elle Sophie qui est maintenant à 4 secondes de Justine Brezas-Boucher. Ça va être chaud ce dernier tir. Ouais, ça va être chaud. Hein. L'Italienne qui n'a pas le droit à l'erreur, tout comme Justine Brezas-Boucher et Sophie Chauveau. Justine, comme je le disais, elle a pris un petit peu d'avance sur sa compatriote. Elle a désormais 6 secondes, j'ai cru voir, si à peu près 6 secondes sur Sophie Chauveau. Seulement 9 secondes, donc même à voir s'il y a un 5 sur 5 pour ces deux filles, alors que là, on souffle. Julia Simon, elle aussi, elle souffle. Allez, Julia, pour aller chercher le doublé. Elle est tenante du titre de cette poursuite, en tout cas l'année dernière, du côté de Oberhof. Allez, va-t-elle réaliser le plein? C'est en tout cas ce qu'on va voir tout de suite. La première est dedans pour Julia. Elle tire un petit peu plus doucement, mais elle assure. 3 sur 3 pour l'instant, 4 sur 4. Allez, Julia. Eh bien oui, Julia Simon, un 5 sur 5 avec son 19 sur 20. Elle va pouvoir ressortir en tête. Elle le sait, elle a le sourire. Elle n'y croit pas. Ça y est, elle va réussir le sprint. Le doublé sprint poursuite pour Julia Simon. Ça y est, la médaille d'or, une 5e médaille d'or mondiale pour elle. Elle permet même de taper dans la main de ses entraîneurs. Exactement, effectivement, Julia Simon, seule au monde sur ce pâtir alors que Lisa Vitozzi arrive. Peut-être un triplé. Si Lisa Vitozzi se manque, évidemment, on lui fait pas du malheur à l'Italienne. Mais c'est vrai que là, on a deux Françaises aux avant-postes pour la deuxième et la troisième place. Si l'Italienne laisse une petite porte ouverte en faisant ne serait-ce qu'une erreur, ça peut permettre tout de suite à Justine et à Sophie de repasser devant. C'est ce qu'on espère en tout cas, alors que là, l'Italienne a à peine commencé à tirer, elle n'a toujours pas tiré sa première balle. Si c'est bon, elle est dedans. Allez, Justine, il faut
faut tout de suite aller vite sur le... C'est bon, la porte est ouverte, le taux de pénalité est bien là pour Lisa Vitozzi, c'est malheureux, mais voilà, elle a fait une erreur, tandis que Justine n'a toujours pas commencé à tirer, c'est étonnant là, on ne sait pas ce qu'elle... Elle tergiverse, elle a sûrement... Voilà, elle commence par une erreur, c'est dommage, et Sophie a également perdu une balle, donc malheureusement, on sent que ça va être un peu compliqué pour les Françaises, parce qu'au vu de la forme sur les skis, on a l'impression que Lisa Vitozzi est plus forte que Sophie Chevaux, et Justine s'en tire finalement avec un 4 sur 5, elle ira tourner, et malheureusement, ça semble compromis pour le podium pour Justine. Bah, à voir, parce peut-être que Sophie Chevaux, 5 sur 5, ouais, Sophie Chevaux qui va devoir aller, pardon, sur cette anneau de pénalité, tout comme Justine Brezaz-Boucher. Lisa Vitozzi ressort à l'instant à 1 minute 15 de Julia Simon, qui a complètement assommé la concurrence aujourd'hui. Et bien, effectivement, il y aura deux Françaises sur le podium. Après, est-ce que Sophie Chevaux va réussir à aller chercher sa première médaille au championnat du monde? À voir, alors que Anna Heuberg et Franziska Preuß et Elvira Heuberg vont sans doute réaliser le 5 sur 5. Allez, Elvira Heuberg. Et non, Elvira Heuberg ira tourner sur cet anneau de pénalité, alors que Anna Heuberg et Franziska Preuß, elles, réalisent le plein. Et Lou Jean Monod, un très beau plein pour finir, mais malheureusement, le podium est déjà parti pour Lou Jean Monod. Ouais, il semble déjà dessiné. Alors, dans quelle position, on ne sait pas encore, parce qu'on l'a dit, Justine n'est qu'à 6 secondes de Sophie. Donc, ça peut le faire. Hein. On le sait, elle est plus forte hein, sur les skis. Clairement, Justine, ça ne sert à rien de le nier. Pour Elgergé Vitodi, ça risque d'être un peu compliqué, parce que là, elle est quand même à 20 secondes, Justine. Alors, on la sent capable de rattraper peut-être 5, 6, 7 secondes, peut-être même une dizaine. Mais de là à aller chercher la deuxième place de Lisa Vitodi, à moins que l'Italienne craque dans le dernier tour, ça semble un petit peu compliqué. Pour Lou, ça sera sûrement une 7e place. Voilà. Elle est à 15 secondes à peu près de Franziska Preuß, qui est 6e, et elle a une avance de 15 secondes également sur Elvira Heuberg. Ça semble à peu près fait pour cette 7e place. Tandis que Davidova réalise un beau 5 sur 5 pour finir en beauté devant son public ici à Nové Mesto, et Jeanne Richard malheureusement se contentera d'un 3 sur 5. C'est dommage, mais bon, voilà, on le dit, c'est la petite jeune de l'équipe, c'est ses premiers championnats du monde, c'est même sa première année dans l'élite du biathlon féminin. On est déjà très fiers de ce qu'elle a réalisé, tandis que là on revoit la réalisation qui s'attarde sur le ralenti de Julia Simon, qui a pointé du doigt sûrement son entraîneur Jean-Paul Jacquino, l'entraîneur de tir de cette équipe féminine. Ah, tandis qu'on voit là, on n'avait pas vu la chute de Justine à la sortie du pas de tir, on n'avait pas vu la Française tomber, elle s'est vite rattrapée, mais voilà, c'est dommage, ces deux petites secondes qui peut-être lui font perdre un peu de temps. Voilà, on a hâte de voir sur cette piste en tout cas ce qui se passe là actuellement dans ce dernier tour. On n'a pas encore les images, mais on veut savoir, voilà, ce qui se passe sur cette piste. Ouais, effectivement, Julia Simon, là, la réalisation qui nous montre Julia Simon qui prend le temps de saluer tout le monde. Elle a une minute d'avance. Enfin, elle peut faire ce tour d'honneur, Julia Simon. Julia Simon qui tout simplement a ébloui. Elle a dit au micro de la chaîne L'Équipe qu'elle voulait potentiellement faire une Johannes Bö comme l'année dernière. Et bien, pour l'instant, trois courses, trois médailles d'or pour Julia Simon. Elle avait un petit peu des difficultés en début de saison, la Française, mais en tout cas, là, elle réalise même un 3 sur 3 puisqu'elle a gagné les trois dernières course individuelle, si on compte la Mastart d'Antols, alors que là on voit Lisa Vitozzi qui est encouragée par ses entraîneurs, et Justine Brezaz-Boucher qui va sans doute aller, Sophie Chevaux qui s'accroche hein, derrière les skis de Justine, mais on sent que c'est difficile, hein. Justine qui va sans doute aller chercher sa troisième médaille individuelle, et Sophie Chevaux, est-ce que ça va être une deuxième médaille en chocolat? Eh bien, ça semble se dessiner dans ce sens, Mila. Ouais, c'est un peu dommage là que les deux Françaises n'aient pas réussi à éclipser l'Italienne. Moi, évidemment, on est heureuse pour Lisa Vitozzi si c'est cette médaille d'argent qui l'attend. Mais voilà, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir Sophie sur ce podium. Elle le mérite. Elle a fait un très beau sprint. Elle refait encore une très belle course, mais malheureusement, en confrontation directe sur les skis face à Justine, elle ne peut clairement rien faire, la Française. Et là, voilà, c'est dommage. Il y a un peu une fille de trop en fait pour ce podium. Julia qui s'arrête carrément là sur la piste. Elle est carrément à l'arrêt, le temps de serrer la main à quelques coachs qui la félicitent tous. Julia Simon qui peut serrer la main à Cyril Burdel, entraîneur de physique de cette équipe, et Patrick Fabre, l'entraîneur de tir. Effectivement, elle a été parfaite, que ce soit sur les skis ou face aux cibles. Julia Simon, avec ce 19 sur 20, va aller chercher sa quatrième médaille d'or au championnat du monde, même sa cinquième, pardon, médaille d'or au championnat du monde, la troisième sur ces championnats du monde de Nové Mesto. Elle rayonne à Nové Mesto, et en tout cas, on n'a qu'une hâte, c'est d'attendre si elle va pouvoir aller chercher ce quatrième titre et accroître encore son palmarès. On sait que la dernière qui avait réalisé le sprint poursuite, c'était Marie-Dora Humbert. En tout cas, bah, désormais, Julia Simon
ajoute une ligne à son palmarès et une ligne au palmarès du biathlon français, alors ouais. que Justine Brezaz-Boucher, clairement, là, elle veut la deuxième ouais, place. Là, elle est, en, elle est en fusée pour vraiment aller chercher Lisa Vitozzi. Ça va se chaud. Jouer ça à rien. Ça va être très, très chaud. Mais la ligne d'arrivée semble ouais, vraiment c'est... être pas très loin. Justine qui vraiment donne tout là pour aller chercher Lisa Vitozzi, l'italienne. Mais en tout cas, je pense que ça va pas le faire parce qu'il reste vraiment... Ouais, elle a lâché mètres, là, le sprint à l'UEC. Elle a lâché. Il a fallu un rien pour Justine. Il y a une balle de trop aujourd'hui pour qu'elle vienne shipper et aller chercher cette deuxième médaille d'argent sur ces championnats du monde. Ouais, c'est dommage, mais là on voit la belle image quand même. Julia qui attend ses coéquipières. D'abord, elle félicite Lisa Vitozzi donc qui termine deuxième cette poursuite. Et puis ensuite, elle va aller voir Justine Brezaz-Boucher écroulée voilà, après ce dernier tour vraiment où elle a tout donné. Alors qu'on voit à l'instant Sophie Chevaux arriver. Pour la deuxième fois de suite, en quatrième position, c'est vraiment dommage pour Sophie. Julia va sûrement aller la réconforter. C'est quand même une très belle course. Hein. Sophie Chevaux, quand même, deux quatrièmes places sur les championnats du monde pour ses premiers championnats du monde au plus haut niveau. C'est quand même remarquable. Tandis que c'est Anna Huberg qui coupe la ligne d'arrivée en cinquième position avec l'aide d'un 18/20. Et puis Franziska Preuss finit sixième, comme sa position lors du sprint finalement. Elle n'a pas bougé de place. Voilà, on voit là Sophie Chevaux qui a l'air dépitée, mais qui est bien félicitée et réconfortée par la vainqueur du jour, Julia Simon. C'est beau quand même ces images. Et puis là, Jean Monod qui arrive, elle, en septième position. On peut quand même saluer une belle course groupée des Françaises, hein, même si elles ne refont pas ce quadruplé, ce qui paraissait quand même assez une ambition assez importante. Elles finissent toutes les quatre dans le top 7 et elles se félicitent toutes. C'est beau, c'est dommage pour Sophie, c'est dommage aussi pour Justine pour cette deuxième place parce qu'il y a peut-être, comme tu l'as dit, il va une balle de trop. Mais voilà, c'est du biathlon, on peut pas prévoir ce qui se passe sur les derniers tirs. Et puis l'italienne a bien tenu sur les skis pour le coup, ça la rassure je pense au niveau de sa glisse. Et puis c'est une belle course. Il y a clairement une balle de trop pour Justine Brezaz-Boucher qui réalise le 16/20 aujourd'hui. L'italienne Lisa Vitozzi a fait une très belle course, hein. Elle a tenu sur les skis comme tu le disais, puis avec un 19/20. Il n'y avait pas de secret aujourd'hui, il fallait mettre les balles. Julia Simon, elle, eh bien tout simplement, elle les a mises, hein, ces balles. 19/20 aujourd'hui pour la Française qui vient faire le doublé, on va dire même le doublé sprint poursuite, et qui vient conserver son titre carrément. On sait qu'à quel point c'est difficile de conserver un titre mondial. Eh bien la Française en tout cas, elle a démontré aujourd'hui que c'était une grande patronne en tout cas du biathlon français et même du biathlon international, et qu'il fallait compter sur elle pour les prochaines courses parce que elle est en mode Johannes Bö, veut tout rappeler sur ces championnats du monde. Ouais, c'est magnifique. On espère que la fin de la saison sera à l'image de ces championnats du monde, hein, même si le classement est gelé. C'est des médailles, c'est pas pareil qu'une course en Coupe du Monde, évidemment, que Justine a peut-être des ambitions sur ce classement général. Il reste encore quelques étapes, trois étapes, il me semble. Trois c'est étapes. Ça, Oslo, et puis après on ira au Canada et aux États-Unis. Mais voilà, une médaille sur les championnats du monde, ça reste quelque chose qu'un biathlète recherche, hein, dans sa carrière, tout simplement. C'est une case à cocher. Julia en coche pour l'instant deux depuis le début de ses championnats, et puis c'est pas terminé. Mais voilà, c'est magnifique. On peut surtout retenir son quatrième tir, qui moi je m'en remets pas, quoi. Il était. Son troisième tir, contre Justine Brezaz-Boucher, il était, mais. Phénoménal, elle a tiré dans un temps, je pense, pas loin d'être un temps record, parce que vraiment c'est parti à toute vitesse, et puis elle a pas du tout craqué mentalement, niveau mental, elle est très très solide, Julia, et elle le mérite amplement cette victoire. Effectivement, elle a vraiment remporté son titre, comme sur le sprint hein, d'ailleurs, avec un dernier tir debout à 17 secondes. Julia Simon, elle a gagné ce titre grâce à son adresse face aux cibles, mais surtout grâce à sa rapidité de tir aujourd'hui. Et vraiment Julia, franchement, elle a tout démontré aujourd'hui du biathlon, que le biathlon c'est sur les skis, mais c'est aussi face aux cibles, et finalement qu'elle pouvait gagner une course en réduisant la vitesse de tir. Et ça, c'est un peu une nouvelle ère du biathlon en tout cas qu'elle déclenche, parce que on disait souvent le biathlon c'est mettre les balles et aller vite sur les skis, et bien non, en fait c'est aussi mettre les balles rapidement, et Julia Simon elle le montre, alors que Tendrevold avec tout simplement un 14/20 aujourd'hui. Tendrevold, une des meilleures amies de Julia Simon, et bien c'est difficile, hein, 34e aujourd'hui pour Tendrevold. Elle passe pour l'instant complètement à côté de ses championnats du monde, une deuxième place sur le relais mixte, on voit la réalisation. Elle a pas la bonne mine des grands jours, Ingrid Tendrevold. Encore trois erreurs sur le premier tir debout. Il y a vraiment quelque chose à faire sur ce tir debout de Ingrid Tendrevold, qui
semble se dérégler là sur ces championnats du monde. Ouais, c'est juste pas ses mondiaux, hein. Voilà, autant elle fait une Coupe du Monde magnifique, elle avait quand même la lourde tâche de reprendre, de prendre le relais de cette équipe féminine norvégienne après les départs à la retraite de Thierry Lekhoff et de Marte Olgu Røiseland, ce qui était évidemment une chose compliquée, hein, parce qu'on le sait, c'était deux énormes championnes qui ont vraiment marqué leur sport, et de reprendre voilà la tête de cette équipe pour Ingrid Tandevold, c'était un challenge, et elle a très bien réussi, hein, elle nous impressionne depuis le début de cette saison, elle est très très régulière, mais voilà, il y a un moment, il y a peut-être un passage à vide dans cette saison, ça se passe sur les championnats du monde, c'est dommage pour elle, mais peut-être qu'à la fin de la saison, si elle arrive à accrocher peut-être le gros globe, ça la réconfortera quand même dans cette saison qui sera pas totalement évidemment ratée, mais c'est étonnant de l'avoir ratée surtout à cette fréquence, et puis aussi avec autant de balles en fait à côté, enfin c'est une ou deux balles, ça peut encore être quelque chose de pas improbable, mais là trois ratées sur un seul tir, ça semble. Enfin, c'est vraiment pas du tout dans ses standards. Je crois même qu'elle a fait, trois ratés sur son deuxième tir double, puisqu'elle avait fait un 10 sur 10 sur les couchers et qu'elle a fait un 14 sur 20. Donc ouais. Elle a fait même 3, elle a raté 6 elle balles. Elle a fait 10 sur 10 sur les couchers, ouais. Mais elle a fait ensuite 3 et 3. Exactement, elle a fait 14 sur 20 à la fin. 4 sur 20, ouais. 4 sur 10 sur. Donc il y a vraiment un problème au niveau des deux bouts. Hein. Ouais, effectivement, ce sera à corriger en tout cas pour les prochaines courses. Qui auront lieu cette semaine. On se retrouvera, je crois, mardi sur les individuels. Et on peut faire un petit récap sur ce classement. Bien sûr, un classement qui est dominé par notre Française Julia Simon, qui conserve son titre ici à Nové Město. Et puis, pas de triplé aujourd'hui, malheureusement, Mila, avec Lisa Vitozzi, l'italienne, qui, avec ce 19 sur 20 et une vitesse à ski qui est quand même rassurante. Un quatrième temps de ski pour Lisa Vitozzi aujourd'hui. C'est rassurant. Les techniciens italiens doivent souffler aussi. Et puis, troisième. Place pour Justine Brezaz-Boucher malgré son 16 sur 20. Sophie Chauveau est au pied du podium, Mila. Donc c'est quand même une belle course. Oui, globalement, on peut dire que le top 10 ressemble entre guillemets au top 10 du sprint. Hein. Il y a évidemment quelques petits changements au niveau des positions. Julia garde sa première place. Et puis ensuite, c'est vraiment Lisa Vitozzi qui, pour le coup, nous a surpris positivement aujourd'hui après sa 7e place sur le sprint. Elle se positionne deuxième de cette poursuite, suivie, on l'a dit, de très très près. Hein. Malheureusement, ça s'est joué à trois petites secondes à peine, à deux petites secondes avec Justine Brezaz-Boucher. Sophie Chauveau, malheureusement, réitère, comme sur le sprint, elle est quatrième de cette course. Et puis ensuite, Anna Heuberg passe de la 8e à la 5e place, suivie de Franziska Preuss, qui, elle, pareil, se positionne 6e comme lors de la poursuite. Lou Jean Monod rétrograde de la 3e à la 7e place. Elle a fait quand même un 18 sur 20. C'est quand même une bonne course pour la Française avec le temps de ski, on l'a pas. 15e temps de ski, c'est ouais, ça. C'est un petit peu moins. C'est, on l'a vu en difficulté, hein, Lou Jean Monod sur la piste. On pensait peut-être pas à ce point, mais voilà, c'est tout de même un top 7 pour Lou Jean Monod. Et puis derrière, en 8e position, on note Elvira Heuberg qui a également fait le 18 sur 20. Puis Markéta Davidová, la belle course aussi pour la Tchèque qui est à domicile, on le rappelle, ici à Nové Mesto, avec encore une fois un 18 sur 20. Et puis le top 10 est complété par Tommi Ingas, la Finlandaise, qui se place 10e, donc avec encore un 18 sur 20. L'Estonienne, pardon, excusez-moi, qui se place donc 10e avec un 18 sur 20. Un beau top 10 à noter. Bendika, la belle surprise du sprint qui avait fini 5e, pardon, elle est 11e avec pour le coup énormément d'erreurs. Hein. Elle est à 6 erreurs également, la Lettonne. Donc 14 sur 20, comme Ingrid Tandevold, mais en partant en 5e, forcément, elle avait plus de chances de ne pas trop tomber dans les oubliettes de cette course. Effectivement, hein, la Lettonne qui sera à suivre, hein, sur ces championnats du monde, ça fait partie des révélations et qui va potentiellement aller chercher la Mastart, hein, parce qu'on sait que les 15 meilleurs de ces championnats du monde participeront à la Mastart. Et en tout cas, bah, moi j'ai été ravie, on a été ravis de vous commenter cette poursuite. Encore une médaille d'or française. Les Françaises vont encore augmenter leur avance. On pense au tableau des médailles. Nation, là, on pense au tableau des médailles. Et bien effectivement, la France reste première nation. Attention, on va suivre avec attention cette poursuite où les Norvégiens vont bien sûr partir en tête. Mais en tout cas, on a été ravis de vous commenter cette poursuite et cette nouvelle médaille d'or. Et nous, bien, on vous dit à la prochaine pour une prochaine course de biathlon. Salut à tous. Salut Eva, merci beaucoup à tous et à tous, et à bientôt pour une nouvelle course.